Du football pour débuter ce résumé de l'actualité sportive du week-end avec le quatrième tour de la Coupe de France pour les 9 clubs vosgiens encore en lice à l'image ici du FC Amrec Sertigny en rouge, opposé ce dimanche à Vendeuvre supérieur de 3 divisions. La logique hiérarchique a été respectée, les joueurs de la Vosges se sont inclinés 2 buts à 1 et ont été éliminés, tout comme les deux autres pensionnaires de D1. A noter en revanche l'exploit de Nomexi Vincé, club de D2, petit poussé vosgien qui s'est qualifié au tir au but face à 9 maisons qui évoluent 4 niveaux au-dessus. 5 autres clubs vosgiens se sont qualifiés face à des adversaires moins bien cotés, Saint-Nabor, Saint-Dié-Kellermann, Éloy, Taon et Raon-l'Étape. Ils seront rejoints au 5e tour, programmé le 15 octobre par le SAS qui fera son entrée dans la compétition. L'Épinal qui reste lanterne rouge de National après une nouvelle défaite 2-0 dans son duel de mal classé à Marignane. Tirage au sort ce mercredi soir. Nous reviendrons plus largement sur cette actualité footballistique dans l'émission Côté Sport avec le numéro 10 Xertinois Charlie Géin. En volleyball, première apparition à domicile samedi soir au gymnase Viviani pour les joueurs du SAS. Battus lors de la première journée à Cesson-Saint-Brieuc, les Spinaliens se devaient de rectifier le tir pour ne pas accumuler un retard préjudiciable dans la course aux play-offs que l'équipe n'a plus disputé depuis 2 saisons. Avec la manière et seulement une dizaine de jours d'entraînement au grand complet, les jaunes et bleus ont vaincu sans trembler à loin 3-0, 25-19, 25-22, 25-21 et ont pris leur premier pas. C'était surtout important d'enfin jouer à notre niveau et là ce soir les gars on fait le travail, on a très bien joué. Après il y a encore beaucoup de choses à travailler, mais ça c'est peut-être parce que maintenant je suis à côté et que je vois beaucoup de choses, mais non vraiment super match. Première victoire de Mérène, viens là. À noter en élite féminine, le deuxième succès en 2 journées pour les Louves de Saint-Dié, victorieuse 3-1 à Rennes. Nous reparlerons largement de volley à 19h dans Côté Sport avec le passeur et capitaine spinalien international camerounais Ahmed Awal Mboutenga. Après avoir grillé un joker le week-end dernier face à la réserve du SNUC, le BCGE, le basket club Golbey Épinal, s'est relancé samedi soir pour son premier match à domicile face à Folklin. Les Golbéo-Spinaliens ont largement dominé leur adversaire mosellan 107-57 au Palais des Sports et restent dans la course à la première place de cette poule de pré-national, synonyme de finalité d'accession à l'étage supérieur. Une première place détenue après 3 journées par le Val d'Ajol, victorieux 103-57 ce week-end à Saint-Max. Fin de série en revanche en National 3 pour l'Effort Basket Mirecourt, battu pour la première fois de la saison à Célestat. Embouteillage dimanche matin sur les hauteurs de Remiremont au départ de la première spéciale de la 4e édition de l'Enduro des Abbesses. Ils étaient quelques 400 inscrits pour cette épreuve de retour après 2 ans d'absence car organisée en alternance avec celui des Hauts-de-Vosges et aussi pour laisser le temps au sentier de se régénérer. Une épreuve conviviale et sportive avant tout. Ça reste du VTT où il peut avoir des parties engagées, mais après voilà, faut trouver le juste milieu entre plaisir et puis et le défi quoi. La terre est bonne et les spéciales en vrai elles sont vachement cool à rouler et pas super tech, elles roulent bien, bien flowy, un bon long flow ouais. Le terrain il est toujours propre et c'est des plus longues spéciales qu'en Belgique, il y a plus de dénivelé. A savoir près de 1300 mètres de descente pour l'ensemble des 6 spéciales au programme, pas les plus techniques mais à coup sûr toujours piégeuses. Vainqueur de cette 4e édition, comme ce fut déjà le cas par le passé, l'Avignonnais Hugo Pigeon, lauréat début juillet de la célèbre méga-avalanche de l'Alpe d'Huez. Deuxième, l'Alsacien Baptiste Bachelet devance d'un rien le Nancéen Lévi Battista. Victoire savoyarde chez les dames, Laura Simonin ayant signé le meilleur temps sur 5 des 6 spéciales. Suite ce lundi soir dans l'émission Côté Sport, avec donc le capitaine du SAS Volley et international camerounais Ahmed Awal Mboutengam, le milieu de terrain du FC Amrec Sertigny Charlie Géin, sans oublier Valérie Thuayon de Vosges Matin, première diffusion à 19h.